Non, c'est vrai que à Valenciennes, on avait mal débuté l'année. Bon, après ça, on a eu dans le vestiaire, on s'est parlé, on a eu une réaction. On s'est dit que maintenant il fallait se bouger. Et après ça, il y a eu les résultats. Et ça, c'est dû au groupe, c'est dû à la solidarité, à notre amitié aussi qui est là, qui est forte, qu'on se soutient les uns les autres. Le coach me fait confiance, il me fait jouer. Donc au fil des matchs, je progresse et je me sens de mieux en mieux, donc je suis plus serein. Après, après voilà. J'étais pas serein quand je sortais au début, donc on voyait les attaquants arriver. Donc c'était compliqué. Quand on est en a 19 ans, il y a les autres, ils en ont 34, ils arrivent, ils te foncent dedans. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Ce qui est bien dans ce club, c'est que on va pas chercher les joueurs à Paris ou autre part, donc on les prend sur la côte, là, dans la région. Et c'est bien parce que voilà, on se connaît tous à peu près, donc on s'est déjà rencontrés pour quelques-uns. Donc moi j'ai rencontré Jordan sur le terrain, on a déjà joué l'un contre l'autre. Donc on a un peu le même délire, donc c'est ce qui fait qu'on se rapproche un peu plus, on est comme une famille, et on est soudés. Donc c'est ça qui fait que sur le terrain, ça se ressent et ça qui est bien. Et des fois je ne me rends pas compte qu'à 19 ans j'ai une chance extraordinaire d'être gardien en Ligue 1, de jouer, d'être dans un club qui fait confiance aux jeunes surtout. Donc c'est vrai que j'ai pas la même vie que tous les autres, donc qui vont à l'école, qui. Et j'ai choisi ce chemin-là, donc j'en suis content. Et voilà, je suis très content et voilà.